quel enfer. Annule tout. C'est la lutte finale, je recharge, ok. J'invite le cholestérol. Moi je suis au KLM. Ah bah ça t'as pas trop, t'as moins de problèmes, quoique FIFA. Quoique Fifou c'est pas dingue non plus. Hein. Enfin ça dépend de ce que... J'ai annulé mais ça me lance quand même la partie là. Ah mais quel enfer. Au secours. Au quel secours indique. Putain. Non je joue contre l'ordi. Ah oui donc bah, ça va alors. Tout est sous contrôle. J'aurais fini monter qu'on n'aura pas lancé la game. Hein. Non mais c'est pénible. Ah oh, ouais. Bon dieu. Écoute je t'ai réinvité. Hein. On verra bien. Hein. Peut-être qu'avec un peu de chance d'ici, allez, d'ici 17h on saura jouer. D'ici 17h on arrivera à jouer peut-être. D'ailleurs il faut écoute, que je parte à 18h ta pente. Hein. Ouais pas de soucis. Je le dis, de toute façon demain même jour même heure. Enfin pas même jour mais même heure par contre. Mmh. Connais les bails. Sous contrôle si je gagne. Ça c'est toujours le problème ça après. Ah là là quel enfer. Putain hier j'ai commencé Metro Exodus. Ah. Non, c'est pas le même joueur, bah non. J'ai commencé Metro Exodus hier, après avoir eu la mauvaise fin sur Metro Last Light, alors que j'ai essayé d'avoir tous les points de karma, que j'ai dû tuer 3 humains dans le jeu, et que j'ai écouté la pièce du Bolshoï jusqu'à la fin alors que c'est de la merde et que ça dure 10 minutes, et toutes les conversations, et j'ai eu la mauvaise fin. Est-ce qu'à un moment donné, sur un toit, il y avait un enfoiré, donc les démons là. Non, mais je Est-ce que tu l'as attaqué quand t'étais à côté de la petite merde là, l'ombre? Oh, je sais plus. Parce que, en fait, c'est un acte maléfique si tu l'attaques. Parce que si tu regardes bien, c'est un nid et elle protégeait son enfant. L'enfant. Donc si tu tues le démon qui est sur un toit dans le 2, tu commets un acte maléfique. Peut-être, mais bon, j'ai fait tellement d'actes bénéfiques. J'ai épargné tout le monde, j'ai tout fait, quoi. J'ai tout bien fait. J'ai quand même eu la fin de merde. Bah, une preuve de plus que la péta contrôle le monde. Bah voilà, c'est ça. Moi j'ai fait train Exodus et tram Exodus. Terrible. Mais non mais ouais du coup Metro Exodus il est cool hein. Une fois que t'arrives à le lancer et que le jeu optimisé avec le cul fonctionne. Tout va bien. Ah oui et puis évidemment j'avais oublié de l'EDL. Du coup on s'est tapé 57 Go de téléchargement en live. Il a fallu qu'on trouve... Hein. Bah écoute j'ai réussi à caler une pause à ce moment là. Et puis sur le reste du temps on a fait un virtuel galette des rois avec Asley et Adaliante. Oh, voilà quoi. Du coup ça m'a donné envie de remanger de la galette des rois. Donc j'ai... la colo de vacances quoi. C'est ça, on s'occupe comme on peut. Donc ah là je te vois connecté. Oui je viens de le faire. C'est bon alors je me mets Attends mets-toi en prêt. Voilà. Les copains moustache rejoue à la game. Je veux voir d'April mourir. Soon TM. Ça charge, chez moi ça charge. 6, 5. Je suis sûr que ton pote est moustachu, bien vu Atto. Oh il est plus que moustache et le cholestérol. Hein. Il a une moustache. J'ai envie de te dire que Romeu peut aller se rhabiller. Hein. Mais pas sur le même niveau quoi. Oh ça me met resynchronisation des mousquets jusqu'aux traînées de feu dans le ciel. Putain mais Sid Meier's, ça fait 25 ans que tu fais des jeux multi. Le monde, tu peux nous expliquer ? Est désormais défini et familier. On va pas être obligé d'en recommencer une. Autant de questions sans réponse. Oh. De croyance et d'identité nationale à Marc, ça me dérangerait pas tant que ça, mais au secours. Régent mécène des troubadours et juge à la cour d'amour. Il est temps de remonter sur le trône. Bah, moi je veux bien remonter sur le trône mais le donc t'es requéblo là. Qu'il s'enflamme pour vous. Et se rallie à vos lumières. Ouais, car tous ceux qui connaissent votre règne connaissent aussi votre compassion. C'est infernal. C'est la même que ce que je t'avais partagé en fait. Ouais, ouais. Infernal, putain. Ce jeu de merde. Putain, et alors que hier, on l'a eu du premier coup, hein, quand même. Ouais, limpide. Attends, ça lance. Ah, j'ai rien fait. En fait, c'est un live chargement. Oui, voilà, c'est ça. T'as tout compris, à toi. Ouais. Bon, moi, je suis dedans. Bah écoute, chargement, veillez patienter, bah c'est ce que je fais. Hein, voilà. D'accord. Mais je suis un bon garçon. T'es sur le title screen de ta cive ou t'es encore dans le lobby? Bah non, je suis sur le screen. Ok, bon bah je joue alors.
Je joue. Je convertis mes villes au macronisme. Et passe pas de tour, hein, au cas où. Ah bah non, non, non. Mais de toute façon, je peux pas passer de tour parce que... Ah si, t'as... Ah, t'as peut-être déjà fait toutes tes actions, je me souviens plus, mais c'est pas grave. D'accord. J'étais parti sur quoi? Ouais, si je peux gagner des points devant ça. L'Empire en marche qui a traversé la mer pour trouver du travail sur la rive d'en face. Salut Goodwin. Ah bah oui, non mais faux, hein. Il y a un moment, bon... À un moment, faut se retrousser les manches et se donner les moyens, quoi. Ah, les lumières. Les lumières, c'est un peu une dingue, hein. Quelle vie, exactement. Ah. Quelle vie. Quelle indignité. Toi, les belles. Ouais. Ah, mais construction côtière obligatoire, c'est chiant. C'est chiant. Incident du... De l'outil Phyraxis, le jeu s'est fermé. Oh mon dieu. Au secours. Au secours, attends, putain. Ne fais rien. Ah. Ne passe pas ton tour. Ah bah là, il vient de me dire que je suis tout seul. Oui, non, oui, oui, bah le jeu s'est fermé, du coup. Ne passe pas ton tour. Je ne fais rien. Je vais essayer de rejoindre la partie en live comme ça. Vas-y, en... je ne fais rien. Sans lobby, Je ne fais rien. J'ai le droit de faire des actions quand même si je passe pas mon tour? Oui, juste le tour. D'accord, je prépare. Parce que si tu passes, il y a moyen que l'IA reprenne le relais. Que oui, oui, pas, oui, non, mais bien sûr. Je. D'accord. Au secours. Quel jeu de merde, hein. Quel jeu de merde. J'ai pas de salpêtre. Putain, mais suicidez-moi, quoi. J'ai pas de salpêtre. Ah, si, là. Là, j'en ai un là. Ça fait quoi là? Ah putain, ça fait le... Oui. J'ai combien de thunes? Ouais, j'ai clairement pas assez pour un colon. Ouais, non. C'était sûr. Mais c'était sûr. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Ça prendrait combien de temps d'en sortir? Fuck! Ouais, en même temps, je choisis pas la meilleure ville pour faire ça. Hein. Coucou Sardoche. Institory s'est connecté. Hosanna. Connexion en cours. Le processus peut prendre quelques minutes. Ah. Je vais pas encore passer mon tour, hein. Je vais encore attendre un peu, hein. Parce que je suis en train de me dire qu'il faudrait que je sorte un ça aussi assez rapidement. Y a pas de route entre les deux là. J'aime cette air. Ah bah oui, la bonne nouvelle c'est que je gagne. Ça c'est une bonne nouvelle, ça, Atto. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Putain, mais j'en ai marre d'investir. Ouais, quoi que je gagne 30 par tour maintenant, ça va, c'est ok. C'est ok, tiers. De toute façon, colon, j'arriverai pas à l'acheter, donc c'est mort. Ici, on en produit un, donc ça va grossir. Là, j'en ai un. Il lui reste combien? 3 charges, donc ça va. Bah, je vais en racheter un ici, et puis je vais aménager... Non, mais le maïs, il est cultivé, là. Ouais, il y a déjà une ferme, là. Donc, en fait, non, il n'y a rien à faire. Si, il y a le blé, là, c'est tout. Le blé, puis en prévision, si je remets une ville ici. Ah, putain, mais si je mets une ville ici, c'est vraiment la misère sexuelle, quoi. Colon. Ah, il y a le filtre colon, c'est bien ça. Oh, au secours. Non, mais si je vais remettre une ville ici pour faire pression, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Quoi que si je mets une ville là, elle gratte quand même le riz ici. Elle peut quand même aller gratter le riz là. Bon, puis après. Ah, mais il y a le camp aussi là. Je peux aller chercher le camp là, les fourrures. Ah, si, ça se gestionne. Hein. Ça se gestionne complètement. C'est bon, t'es dedans là, je peux passer mon tour ou pas? C'est l'impression... Bon, mon tour, moi, il est grillé, mais... C'est bon. Comment ça, il est grillé? Bah, je peux pas jouer, en fait. Genre, l'IA... Là, t'as fait à ma place, quoi. Mais t'avais pas déjà fait tout hier? Non. D'accord. Bon, bah, au secours. Oh, bon. C'est pas grave. Hein, là, je passe, hein.
toute façon, le pire truc qu'il ait pu faire, c'est de faire des aménagements, quoi. Parce que c'est grave. Oh, comme les aménagements automatiques à l'époque du 4. Oh, quel cancer. C'était vraiment de la merde. Hein. C'était vraiment dégueulasse, quoi. C'était immonde. Non, je pourrais aller chercher des noises au Jap, là, hein. Il y a un petit emplacement sympa avec deux salpêtres ici. Histoire de bien lui casser les couilles. Ah mais si je fais ça, je pense qu'il me déclare une guerre instantanément. Vas-y par contre avec tes missionnaires de merde. Non, je vais le défoncer sa gueule. La chose est bien faite parce que le seul salpêtre que j'ai est à 4 cases. Ça va. Non mais moi j'en ai une relativement proche d'une de mes villes, donc ça devrait aller. Ça devrait finir par rentrer dans ma zone d'influence. Par contre, je vais lui demander d'arrêter ses conneries là parce qu'il me saoule. Il va encore me dire je ne peux pas. Non, cela vaut mieux pour tout le monde, je vous assure, vous verrez. Alors toi, ma première bombe nucléaire est pour toi. Je retiens. La première que je peux sortir, elle part sur Kyoto. C'est pour moi, ça me fait plaisir. La stratégie requiert. Quand on libère une cité-état, on est d'accord qu'elle redevient pas une cité-état. Si tu la libères, si. Même si elle a été vaincue définitivement. Oui. Ok. Ok, ça va, c'est ok, tiens. Complètement ok, tiens. Le japonais, c'est vraiment un sale con. Ah, je peux faire ça, par contre. Oh, oui. Jesus Christ, Lord. En vrai, ça me va. Hein. Je vais pas faire la fine bouche non plus. Avec son lienche, là. Oh, par contre, il est un peu vénère, hein, le Jean-Michmuche, là. Teotihuacan de ses morts, là. Il a du monde, hein. Je pense que je vais rejouer à Steve en live, en vrai. Chercher un jeu pour le samedi après-midi. Petit jeu de chill. Je pense que ça va repartir sur du Civ. Je l'ai trop longtemps sous-exploité. C'est une honte. Ça donne pas de prod le Mercure. Ça donne la prod juste parce que tu mets une mine. C'est de la merde. Il y avait un chevalier. Contrairement dans le 5 où putain t'en voulais du cuivre. Ah, c'est du mercure, c'est pas du cuivre. Putain, mais j'en ai déjà renvoyé une... Mais Non, je vais peut-être les réaffecter ici, parce que... Comme il a l'air de vouloir me casser les couilles, ce connard. Peut-être limiter un peu le... Limiter un peu les capacités de prank de l'autre connard. Putain, j'ai failli perdre. Ah, merde. Si près et pourtant si loin. Ça c'est un grand plaisir, hein, d'avoir des cases de désert juste à côté de la côte. Là, je m'y attendais pas. Hein. Ah, le Congolais que je connais, ni Dev ni Dadan, il me propose une guerre commune contre Moctezuma en échange d'un libre passage. Je pense qu'il a un peu le seum de Moctezuma. Je sais pas s'ils sont en guerre, cela dit. Oh là là, je suis aux fraises. Mon dieu, qu'est-ce que je suis aux fraises. S'il n'est pas en guerre, ça va pas tarder. Ah, je suis dernier en tech. Mais c'est parce que j'ai zéro... j'ai zéro campus. Vous gérez quel peuple? Alors moi, j'ai la France, avec Aliénor. Le cholestérol, il a Rome. Rome. Je me fais bouffer le mulet, là. Hein. Moi, je suis content d'être tombé sur Rome. J'avais pas envie de tomber sur les mapouchoires. Et la Belgique? Y a pas la Belgique dans ce jeu, on est d'accord? Si? Il l'aurait intégré? Non. Trop récent comme... Enfin, quoi qu'il y a bien les États-Unis alors. Peut-être que le season pass... Mmh. On sait jamais. Ils ont bien mis le Québec, remarque, hein, donc mais pourquoi pas. Par contre, dans le 5, avec le lake mode, la Belgique, elle est là. Non mais avec le lake mode, il y a tout, mais le lake mode, on peut pas dire que c'est officiel, quoi. C'est qui sont dirigeants? De quoi? Léopold. Ah non. Au secours, le Congo belge. Le Congo belge. Meilleur private jokes de Belge. C'est des légions à
comme ça, tu vois. Oh non. Vous choisissez pas votre peuple ? Si, on choisit. Bah, le cholestérol, il a mis en aléatoire. Parce qu'il en a rien à foutre et que c'est un pranker. Ah bah, j'ai pas gagné. Ah merde, désolé. Condoléances. Si, tu peux choisir ton peuple. C'est juste que le cholestérol, il est beaucoup trop large dans sa tête. D'ailleurs, gros, je me demandais, t'as combien d'heures sur le jeu ? Le 6, pas des masses. J'en ai, mais pas mal, mais pas tant que ça. D'accord, parce que... Le 6, j'ai 316 heures, tu vois. Ah non, ça va en fait, parce que moi j'ai 114 heures, et c'est misérable. Mais je me dis que c'est déjà 114 heures, quoi. C'est déjà presque une semaine investie, quoi. Je pensais que j'avais beaucoup plus d'heures que ça. Bah... Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en avais beaucoup moins. C'est le Victor qui était motivé. Ouais, tu as beaucoup joué récemment aussi. Ouais, j'essaye de... Je pense qu'on fera des games en stream sur d'autres civs. Le 5... Le 5, je suis à 1240. Le 5, je suis à 500 heures, je crois. Je suis à 500 heures. Et encore, 1200 heures, quoi. Putain, mais en même temps, t'es au chômage, quoi, donc t'as le temps. Parce qu'ils sont au chômage. D'ailleurs, c'est encore le temps, d'après Steve. Le temps. Qu'est-ce que ça donne, ton histoire, là, pour le conseil ? Ah, tu sais, eux... ils prennent leur temps. Des plombes... Ah oui. Mais c'est en bonne voie, ils t'ont pas fiché sur le permis ? Pas encore, ça a pas encore été abordé. Soon TM. Ah, casse-couille. C'est en même temps, je suis beaucoup trop fraise en tech pour faire le Kekos. C'était évident que j'allais me faire bouffer au bout d'un moment. Si je suis celle qui doit te rendre... Je suis pas perdu. C'est beau un monde qui joue. C'est pas exploité ça, hein. Mais c'est pas exploité, c'est une honte. C'est une honte. C'est honteux. Mon armée, c'est un spadassin. C'est Spendlight. Bah, moi, vu que j'ai joué un petit peu avec les couilles de la coréenne... Oui, non, mais voilà. J'ai fait quand même J'en ai pas beaucoup, mais quand même quelques-unes. Si je fais une villa, ce qui me... Ah non, ça, c'est peut-être mon quartier. Je pourrais faire une villa, hein. Vraiment, aller lui casser les couilles jusqu'au bout, quoi. Ah, seulement moins 7 de loyauté, c'est moins cher que gratuit. Ouais, ce serait pas trop mal, une villa. Je pense que je vais lui faire une petite... Petite croquette cendrée, comme on dit dans le bouchonnois. Tarnac de forain, comme ça. Et il me faut combien de temps pour sortir un colon avec ça, là ? 6 tours, ouais. Donc, faudrait que j'attende ça, quoi. Faudrait que j'attende d'avoir assez d'argent pour le faire. Le problème, c'est que ça coûte trop cher. Ça, c'est un prank très risqué. C'est très audacieux comme move, hein. Par audacieux, faut comprendre complètement con. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Oui, c'est du mercure, ok. C'est du poulet. Qu'est-ce que c'est, du poulet ? Non, mais c'est vrai que si je veux jouer la pression, faut que j'aille lui faire une ville ici, quoi. À moins que j'aille lui casser les couilles, quoi. Qu'il y ait une agression évidente. Que le Congolais... Ah, oh putain, et les œuvres d'art, c'est vraiment vénère la pression que ça fait, hein. Le mec a perdu 4 points de loyauté pour 2 œuvres d'art. La France. Pas n'importe laquelle. France du général de Gaulle. Celle du général de Gaulle. Chaffing. Ouais, c'est vrai qu'une petite ville ici, là. Puis derrière, j'en mets une petite là. Juste pour bien lui casser les couilles. C'est de la plaine inondable, c'est pas vraiment du désert. Ah non, c'est du désert, je peux pas l'inonder, c'est de la merde. Celle-là, c'est une plaine inondable, par contre. Ah, une petite ville ici. Ah non, mais ça va être trop près, ça va être beaucoup trop près de sa ville. Il va m'envoyer chier, il m'autorisera pas. Ah putain, quelle indignité.
Quelle indignité. Monsieur Pujadas. Sur le service public. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Vous faites écho à un homme qui est mis en examen, qui a fait de la prison. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Quelle indignité. Quel connard, putain. Moctezuma a déclaré la guerre aux Mapuches. Ah, ça m'arrange, ça. C'est cool, ça. Bien, foutez-vous sur la gueule. Foutez-moi la paix et foutez-vous sur la gueule. C'est une idée que j'apprécie. Preslav, il est sbirified par... Ah oui, ok. Relou. Petit Exter en bonne et due forme, là. Juste pour le plaisir. Plaisir d'offrir. Exactement. Mais de recevoir aussi. Oh, sinon, je fais le prank de Castel sur cette ville. Au secours! Ah, je pense qu'il va apprécier en dessous. Moi, vous savez que j'ai une technique très audacieuse, c'est toujours rattraper le tout avec la culture en late game. En général, en late game, j'arrive à tripler mes points. C'est toujours un move assez audacieux. Hein. Celle-là qu'il faut que je fasse. Casa de Concentración, elle est bien aussi, mais... in fine, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Pour être vraiment tronks. Pas assez de bouffe pour faire ça. Par contre, je peux faire un bâtisseur. Hello les potes des spots qui dépotent comme la popote à la pompote. Salut Adalian. Comment ça va? Non, ça, c'était recherché. Hein. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Bâtisseur, là. Oh non, il va falloir commencer à sortir des espions, au secours. C'est moi de là. Je vais acheter un... Non, pas encore. Une TM, mais pas encore. Alors que je commence à réfléchir à faire des trucs. Quartier diplomatique. Mais c'est nouveau ça, hein. On l'avait pas avant. Ou alors ça a été ajouté comme multi. Bah, c'est pas clair. Quartier diplomatique, ça fait quelques mois. D'accord, ok. Pas suffisamment pour que je le vois, quoi. Je pense que je vais faire un campus dans ce bordel parce que... Bon, faudrait que j'y songe, quoi. Ça serait peut-être bien. Genre dans ma putain de vie. Ah, mais du coup, si je le mets là, il va être pété systématiquement. Bon, bah, c'est pas grave, on le réparera. Hein. Le machiavélisme, c'est nul. Par contre, le bureau des colonies, c'est une dingue. Ah, mais on n'est pas sur le... Ah, putain, non, je suis sur le même continent, donc c'est ridicule de mettre ça. Non, je vais laisser le prétoire, je pense. Go les colons. Ah bah, ça, oui. Sun TM, moi, je fais du colon. Oui, bah, c'est bon, la partie m'attendra encore. Je pense que je vais mettre un truc de ce style-là. Comme ça, je peux pas assigner les traditions. Ouais. Me dites pas que le jeu m'a softlock. Quoi? Ah non, je suis softlock. Ah non, ok, j'ai compris. Non. Non, non, c'est bon. C'est parce que celle-ci, elle a sauté, mais j'avais quoi? Non, mais ça, c'est pareil, ça peut dégager, ça, c'est fini, ça. Ça, c'est ridicule, quoi. On va mettre ça. Non, et encore. Vaut peut-être mieux que je mette... Il est où, prestige civil? Ouais, c'était ça. Non, mais si, bah, je vais mettre ça, c'est bien. Un truc qui me file du pèse, là. Du freak. Ça, c'est assez limité, quand même. Hein. Plateforme commerciale, c'est pas dingue. Et campus. Campus, c'est science. Hein. Place du théâtre. Ça, par contre, bonus de proximité de la place du théâtre, plus 100%. Ou alors, sinon, je mets colonisation et je mets plus 50% pour les colons. Et là, on part sur un prank de qualité supérieure. Mais c'est débile. Hein. Peut-être pas ça à la maison, c'est vraiment con. Hein. Ah mais c'est bien, je vais mettre ça. Je vais mettre ça, on va pranker.
Ne reproduisez pas ça chez vous, surtout pas. Surtout pas. Très risqué comme move. Hein. Faites pas, on est des professionnels. On a des autorisations pour faire ça. Là, c'est dans un cadre légal, mais vous êtes des connards, donc ne le faites pas, quoi. If you were discretion is advised. Accord proposé. Ah bah, le chinois du Japon, il me demande... Et si je te propose ça, tiens. Je te propose ça. Ah, tu veux pas juste me donner de l'or par tour en échange de rien? Bah, va te faire foutre, alors. Retourne manger tes grands morts, sac à merde. Puisque visiblement, t'es bon qu'à ça. Chinois du Japon, c'est raciste. Oui, mais c'est une réplique, donc c'est pas grave. C'est une... Étant donné que c'est une réplique de film, ça ne gênera personne. Enfin, si. Personne ne devrait juger. J'ai un N pass parce que c'est dans un film. Et c'est ça. C'est exactement ça. 7. Mais putain, mais il me casse les couilles. Et paf, encore un castel. Non, non, cherche pas tout la merde. Pas vrai. Du fascisme. Dégueulasse de dire ça. Bon, le missionnaire, là. Missionnaire, faudrait que ça se bouge un peu le derche, quoi. Entre des gens de racistes, c'est raciste parce que tu fais une échelle de valeur entre les gens. Never ending argument. C'est trop ça. Non mais l'opération prank va être réussie, vous allez voir. C'est quoi ça déjà? Putain, je construis des trucs, je sais même plus ce que ça fait, quoi. Le mec est débile. Je suis débile. Ah oui, c'est une dingue, ça. Mais j'aurais mieux fait de faire ça. J'ai pas été malin sur ce coup-là. Pas d'emplacement adapté, évidemment. Bon, on s'y attendait pas. Ah si, je peux la faire là. Ça nous la mettrait où? Oh oui. Oui, oui, lui aussi, oui. Ah, on attend, hein. Toujours le même, hein. Voyons. Je sais pas pourquoi Adaliant il a plus son badge de sub. C'est raciste à cause des racistes, c'est ça. Cranant au secours le congrès mondial dans 9 tours. Statue de Zeus. Oh bah putain, vache, ils sont pas en avance, hein. Il y a beaucoup de merveilles qui ont pas été faites, hein. On peut pas dire à Pote Nord qu'il pue. Il y a un chiffre que 5, cravard. Attention, hein. Qui dit le monsieur? Mais derrière, ça on peut. Ah, je disais juste que le japonais c'était un connard. Là, vous le saviez. Oh putain, non, ça y est. Je viens de mettre mon premier plan d'agrumes. Moctezuma va me déclarer la guerre. Soon TM. C'est pas juste, bah non, mon pote, on peut pas. C'est dégueulasse. C'est honteux. Ça vient de bloquer. Je m'en rappelle plus du tout. Faut que je me la refasse. C'était tellement drôle. Ah, j'ai déjà refini mon tour. Je m'emmerde. C'est officiel, je m'emmerde. Et c'est maintenant, c'est 180 pour acheter un colon. Enfin, un bâtisseur. Ouais, super. J'ai pas rendu. Hein. Oh, plus t'en achètes, plus c'est cher, mon. Bah, je sais. 290. Je connais les beaux. Hein. Le problème, c'est que je suis d'une pauvreté affligeante, donc forcément... Bah, tu sais, avec le pognon des acédiques, j'investis tout, tu vois. On va peut-être réfléchir à ça aussi, ça pourrait être bien.
c'est un apôtre hein, qu'il faut acheter pour développer la religion. Ouais. Sun TM. C'est faux. Pas que je le laisse trop pousser ici, hein. Faut qu'est-ce que tu fous là ? Je me mène pour faire mon arnaque, hein. Qu'est-ce qui te chafouine ? Ah, ma caravelle, elle utilisait n'importe quoi. D'accord. Caravelle a encore fait de la merde, quoi. De la caravelle de chef de groupe, tu vois. Typical. Terrible. Terrible. Ah, vivement que ce soit sorti, hein, que je puisse sortir autre chose. Enfin, je me comprends. Tout le monde me déteste sauf le Congo. Oh, moi, mon existence leur importe guère, sauf Moctezuma qui me la suce. Et Sunduck qui m'apprécie pas des masses. Nickel. Peut-être parce que j'achète des cases à côté de chez elle, je sais pas. Le Congo belge. Le Congo belge. Congo belge. Voilà. Le volet. Attends deux secondes, je baisse un peu mon volet. Mais vous devez faire quoi en coop ? Se faire chier. En fait, l'objectif de ce jeu, c'est d'attendre 17h devant une partie et de s'emmerder. Non, non, mais en fait, on joue pas, on joue sur la même partie, mais on n'est pas ensemble, quoi. Pas particulièrement. Bon, on va pas essayer de faire couler l'autre, parce qu'il faut quand même qu'on joue. Mais... Non, mais voilà, quoi. On n'est pas non plus là pour se faire chier. Putain, je t'entends en retour, gros. Enfin, je m'entends. Je m'entends dans ton retour. Au secours. Terrible. Donc vous devez aller vous mettre sur la gueule à un moment. Pas nécessairement. Et bim, le cholestérol friendzone, la violence. C'est ça. Quelle indignité. Le petit call center est ouvert. Mais ça tombe bien, je viens de racheter des lunettes et j'en rachèterai pas pendant 10 ans. Vous me cassez les couilles. Je croyais avoir déjà envoyé stop au 36-200. Pourquoi ça n'a pas été pris en compte ? Non, mais on n'est pas vraiment ensemble. Mais il paye des bâtiments, c'est trop mon best bro. Évidemment. Bon, je vais propager le macronisme, hein. Il est temps que le Congo s'éveille. J'en ai plein le cul, ça y est. Oh, bah, il demande que ça. Hein. Il demande que ça. Mais ça, est-ce que ça lui donne des bonus de faire ça ? Ouais. Ça lui donne quoi ? Moi, ce que je vois, c'est que ça lui fait perdre de la loyauté dans ses villes. Il foncièrement me va bien. Mange merde. En réalité, j'ai plus qu'une construction sur lui. Je pense que je vais l'envoyer faire un crabe ou un poisson. Voilà, c'est ça. Quand il construit certains quartiers, ouais. Il reçoit un apôtre de la religion dominante de ses villes. D'accord. Il peut pas lutter contre puisqu'il peut pas faire de religion. D'accord. Et en fait, il reçoit 2 de bouffe, 2 de prod, 4 d'or pour chaque relique, artefact et chef-d'œuvre dans ses villes. Sympa. Bah, ouais, lui, globalement, il laisse les gens venir le convertir, envahir quoi. Son territoire religieusement. Ouais, ouais. Dès qu'il fait un bâtiment, le Mbaza ou la place du théâtre, il reçoit un apôtre. D'accord. Apôtre qui a une certaine probabilité de créer une relique. Ah ouais, je donnera un gros bonus sur ces villes, quoi. Je vois l'idée. Ouais, bah la partie peut m'attendre encore quelques secondes, hein. On n'est pas aux pièces, hein. Je pense que si j'achète un bâtisseur, ce sera ici. J'achète un bâtisseur, j'en mets un castel, là. Jamais joué.
Je pense que je ferai ça, je ferai des sessions de Civ sur ce stream, et j'essaierai de jouer d'autres Civ. Faire un truc de ma vie, quoi. Bah, en soi, il a quand même, il a quand même un sacré bonus pour la production d'écrivains, d'artistes et musiciens. Ouais. Ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est cool, ça. Les trucs avec la religion, ça m'agace. Le Japon est trop bien. Mais la BO de ce jeu est trop bien, de toute façon. Voilà. Est-ce que c'est vraiment encore à dire de... d'artistes illustres en plus, musiciens. D'accord, ok, vénère. Ça, c'est pas mal, hein. Tout vénère, ouais. Ouais. Contrairement au Mapouche qui sent le sexe, il n'y a pas d'autre mot. Qu'est-ce qu'il a, le Mapouche? C'est bonus, full guerrier, tout pourri. En même temps, c'est un Kekos, hein. Voilà. Ah non, par contre, le Congo... Expérience plus 25% pour les villes formées... dire pour les unités formées dans une ville avec un gouverneur. Ah, c'est bien puissance de la merde, plus hein. Plus 10 contre les civilisations qui ont un âge d'or. Plus de météorites. Là, comme ça, sans... Ok. Oh, je vais me taper un âge sombre. Bah, évidemment, évidemment que je vais me taper un âge sombre, vu que je pue le sexe. Oui, oui, moi aussi je vais m'en taper un. Oh, il va être sale, oh, celui-là. Il va être salé, celui-là. Oh, je suis à 10 points. Ah, je pourrais pas l'avoir. Ah non, bah moi je suis à... quand je t'avais dit que tu pas avoir d'âge d'or. Dès que t'as un âge d'or, t'as un âge sombre. Ah non, tout à l'heure j'ai réussi à faire âge d'or into âge normal. Ah. Bah, âge sombre, il y a mété. Il y a mété des points, mais la dernière moitié... Oh. Si, ça va, mais faut réussir à faire les bons trucs. Faut réussir à sortir le Taj Mahal. Faut réussir à gratter de la cité-état. Faut pranker, quoi. Il y a des arnaques. C'est du tour par tour, alors oui, c'est du tour par tour, Rato. Bon, en même temps, j'ai l'impression que tout le monde va s'en taper, hein, là, hein, concrètement. Tour par tour above all. Bon, Endless Space 2, il est bien, hein, mais j'attends vraiment Humankind. Oh. Oh, Humankind. Vivement. Je frétille. Vivement. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ta gueule. Le Congolais. Dis-moi que mon petit Lamine n'est pas un Congolais. Maman, je t'ai déjà dit qu'il s'appelait Benjamin. Il s'appelle Lamine. C'est quoi ça? C'est dans « Il a déjà tes yeux ». C'est un couple de blacks qui adopte un gamin. Et il s'avère que c'est un petit blanc. Ok. Et la place de la femme, c'est la cuisine. Et t'as une scène totalement épique où... la daronne, du coup, qui est jouée par Issa Maïga, va chez ses parents. Et donc, tu sais, son père, il est père très taiseux qui dit rien. Et sa mère, elle en fait des caisses, quoi. Vraiment le cliché de la maman africaine. Et du coup, elle n'arrête pas d'appeler le gamin Lamine. Alors, elle sait pas encore qu'il est blanc, parce qu'elle l'a pas encore vu, donc elle en parle juste avec sa fille. Et elle arrête pas de l'appeler Lamine alors qu'il s'appelle Benjamin. Et donc, du coup, dès qu'elle parle, elle dit « Mon petit Lamine, mon petit Lamine ». Et à un moment, genre, le réal, donc Lucien Jean-Baptiste, il a demandé à je sais plus quelle actrice du TAM, mais une actrice renois d'origine sénégalaise, « C'est quoi le Belge en Afrique ?» C'est dans la pensée française, le belge un peu con ou équivalent. C'est quoi le belge africain? Et donc la meuf sénégalaise lui a répondu, c'est le congolais, quoi. Et donc du coup, il y a une des vannes du film, c'est « Dis-moi que mon petit Lamine n'est pas un congolais. » Non mais maman, je t'ai déjà dit qu'il s'appelait Benjamin. Il s'appelle Lamine. Et aucun rapport, quoi. Juste aucun rapport. C'est tellement drôle. Lamine comme le père de Ousmane. Lamine comme le grand-père de Ousmane. Lamine comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. Mais pourquoi papa il s'appelle pas Lamine? Parce que c'est la tradition, ma fille. C'est trop con. Mais il est vraiment marrant. Je sais plus qui disait ça hier, mais c'est vraiment... c'est un... qu'est-ce qui est arrivé au bon Dieu, mais en version réussie. En moins racisme décomplexé. C'est complètement ok, tiens. C'est marrant. C'est un film familial, hein, ça va pas pisser bien loin, mais c'est fun. En même temps, est-ce qu'on lui en demande plus? Pas vraiment.
Non, non, pas le congrès mondial, au secours, je veux que ça s'arrête. Non, j'ai toujours pas rencontré le Mapouche, hein. Il est pas... il est à rien de côtier, lui. Non, 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 il est complètement enclavé. Complètement encerclé. Mmh. J'ai fait ça. Pas sûr. Mais il cherche la merde, hein, il prank de ouf, hein. Insupportable. Il va me piquer ma cité état, ce fils de ces morts là. En même temps, difficile de faire pire que qu'est-ce qu'on a fait, oh mon dieu. Alors, en vrai, moi, il m'a fait rire la première fois que je l'ai vu, mais c'est vrai que quand tu le re-regardes... Je croyais qu'il y avait des vannes plutôt bien inspirées, mais lourd, quoi. Lourd en fait. Juste lourd. Si, il y a qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Non, pas vu. Ça, c'était marrant. Ça, c'était drôle. Je suis gaulliste. Sauf sur sa politique coloniale. Deux gaullistes. T'es là, non. Aucun rapport, quoi. Le dernier point, tu pouvais imaginer qu'il se rejoindrait. Tu c'est vois, clair. Gaullisme. Ah, mais c'était marrant. C'était marrant, mais c'était un peu lourdeau, quoi. Je peux pas, ce serait de la malhonnêteté de dire que j'ai passé un mauvais moment en le regardant, mais c'est vrai que a posteriori c'est cringe. Ah oh bah c'est pas le genre de film que tu vas regarder 5 fois. Hein. Ça, ah ça. Une fois suffit bien amplement. Oh l'âge sombre il va être dégueulasse hein. Mais quoique ça peut me permettre de faire grossir mes villes et comme et l'âge normal d'après. Le prank. Le prank absolu quand toutes mes villes récupèrent leur loyauté à fond. Mais comment ça, proposition envoyée? J'ai rien envoyé, j'ai même pas fait de propal. Bah d'accord. Non, j'ai... mais ça veut dire qu'il y a, il y a une urgence, quelque chose comme ça, que ça te concerne pas. Ah oui, d'accord. Urgence déclarée. Une urgence cible Moctezuma. Ah, le Congo a déclaré la guerre à Moctezuma. Très bien ça. Par contre, t'es vraiment obligé d'annexer Candy? C'est à qui Candy? Dis-moi oui. Candy. Oh. Chou. C'est bien Kaboul. Dégage-moi ce japonais de ses morts là. Bien mettez Kudasai le Nouache. Le mausolée d'Halicarnasse et le Templo Mayor. Ah oui, effectivement, on est pas en avance. Hein. Ouais, c'est moi qui ai fait les deux. Ouais, moi j'en ai fait une aussi, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. 13 tours quand même pour sortir ça, hein. Pénible. Enfin, c'est pénible. Hein. Mais je pense... des carnats, ça fait un bon gros moment que j'aurais pu faire. Je pense que je vais sortir un colon tout de suite. Il manque mon petit lami n'est pas un Congolais. Ah oui, et du coup... Ah oui, du coup, je peux pranker, là. Ouais, je vais solide positionner. Encore? Putain, mais au secours. Je vais progresser le macronisme à grands pas. J'avais pas un autre missionnaire dans le coin? Il branle. Pas clair. Ah non, par contre, il va pas commencer à foutre du... Ah, oh, il casse-couille avec ça, putain. Tant de kékos que ça. Hein. Si je remets une ville là, ça peut tomber très vite. Hein. Avec un petit Dupin et des jeux, là. Juste pour le fun. Pour le lore et la mort de l'e-sport.
Et sinon, le prank absolu, je mets une ville là. Et en vrai, des barres de lol, je mets une ville là avec un port. Elle va perdre beaucoup, faudrait que je mette un gouverneur, ce serait chiant, mais... Coton. Ici, ça peut être très très drôle. Hein. On peut vraiment partir sur un prank de qualité supérieure. Oh, j'aurais pas l'âge de l'âge sombre, ouais. Oh putain, mais quelle chatte. Ah, les merveilles, là, elles m'ont donné ce qu'il fallait. Ah putain, quelle chatte, moi j'y arriverai jamais. Hein. Il faut 82 points, j'en ai 68. Impossible, quoi. Juste impossible, quoi. Ah non, 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 non. Je vais être dans la merde, en fait. Pourquoi? Parce que là, je vais terminer encore une merveille dans pas longtemps. Encore une. Parce ouais. Que là, j'en ai terminé une ce tour-ci. Encore une après. En fait, il y a moyen que je me tape un deuxième âge d'or. Ah merde. Ah là, ça va être deux âges d'or d'affilée. Ça va être dur là, à rattraper, ça. Ça va être très très dur à rattraper, ça. Ah non. Je suis dans la merde. Ah. Ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi, quoi. Ça va faire là, hein. Oh, de toute façon, la Silicon Valley, c'est pas faite à base de prudence. Allons-y, deuxième âge d'or. C'est pas faite en un tour, hein, j'ai envie de te dire. Je peux faire un port. Ah, si, je peux faire un port là. Ah ouais, je vais faire un port ici, en vrai, en réalité. Pour l'instant, j'ai pas d'ouverture sur l'océan, c'est un peu dommage. Ah bah si, je me disais bien que j'en avais un deuxième de missionnaire. Je pense que je vais deny complètement l'accord de Moctezuma. Boudjou, ça m'a catapulté au score là, les 4 merveilles. Ouais, de toute façon, je sais que je suis aux fraises. Hein. Oh, vinguette. Ah, mais quoique, non, j'en remonte hein, tout doucement. Tout doucement, ça remonte. Hein. On a une qui sort dans 2 tours là. Candy, ils sont dans la merde. Hein. Quand même bien peu de chance que ça tienne, ça. Oui, bah Moctezuma, il va vouloir, voilà, exactement, de la merde. Et déclarer une guerre commune, non. Non, non, par contre, ça, on oublie tout de suite. Ah oui, politique de la... rage. Le rage. Toi aussi, il t'a guiche. Ouais, il m'a guiche, hein. Il vient me lécher le sexe pour que je déclare une guerre. Mais c'est hors de question. Complètement hors de propos. Tu as dit que je ferais ça. Mais 6 tours c'est mort, moi je me tape un âge sombre, c'est sûr et certain là. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, hein. En même temps j'ai très mal joué, hein, faut être honnête. Ah, moi je jouais comme de la merde. Hein. Deuxième âge d'or. Et bah, c'est du propre, hein. I'm in danger. C'est du propre.